Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre show Analyse musicale du jour. Le principe reste le même, on sélectionne une vidéo de votre choix, on l'analyse ensemble. Alors, on commente, on partage, on like. Surtout, n'oubliez pas, petite tasse de thé, petite tasse de café, un peu de jus, un peu d'eau ou simplement à jeun, on s'installe et on passe un excellent moment ensemble. C'est parti! Bonjour les gens et bienvenue sur Gospel Cross et surtout bienvenue dans votre show Analyse musicale. Aujourd'hui, j'ai une pépite pour vous. C'est une chanson qui a été interprétée par deux jumeaux que vous connaissez certainement, le frère Josué et le frère Caleb, qui s'intitule « Peu importe ». Moi, personnellement, j'ai déjà ma tasse de thé. J'espère que toi aussi, installe-toi, peu importe où tu es, partage-le. Partage, like, commente et bienvenue. Installe-toi, fais comme chez toi. C'est parti. Petit arrêt sur image, j'aime bien en fait, parce que ce que j'aime bien dans ce clip, au fait, c'est qu'ils illustrent vraiment à peu près ce qu'ils sont en train de chanter. Donc là, ils parlent d'une personne qui est tombée, et là, on illustre vraiment un frère qui marchait et qui trébuche et qui tombe, au fait. Et ça, franchement, j'aime bien, parce que le clip a pour but, pour moi, hein, de pouvoir interpeller et de pouvoir nous faire sentir, au fait, qu'on vit vraiment les paroles qui sont prononcées. Et là, franchement, gros pouce bleu, parce que c'est pas mal, franchement, pas mal. Chaque fois que tu tombes, relève-toi de la terre. Jésus a besoin de ceux qui résistent. Voilà l'attitude d'un chrétien. Ton frère, il est tombé. Tu le relèves. Au lieu de partir sur les réseaux sociaux, tu le relèves. Voilà. Relève-toi. Soulève tes yeux. Soulève tes yeux. Moi, personnellement, j'aime bien comment les sœurs, elles dansent, parce que au moins, elles dansent au rythme de la musique, au fait. Il n'y a pas à vraiment faire semblant, là, des histoires de « on dirait on danse pas, on dirait on danse ». Non, elles dansent. Et pour moi, personnellement, je trouve qu'elles sont assez décentes dans leur habillement, même dans leur façon de faire des mouvements. C'est vraiment pas très vulgaire ou quoi. Et gros, gros pouce bleu à la sœur au milieu, parce qu'on sent vraiment qu'elle est investie, vraiment. C'est ça, ça donne envie, là. C'est ça qu'on aime. Je veux me relever. Encore une fois, ils s'attacheront qu'à mes erreurs du passé. Mais ils oublient que Dieu m'a pardonné. On le dira pas assez, dès l'instant que le Seigneur t'a pardonné, tu es une nouvelle créature. Donc arrêtez de rappeler aux gens leur passé, leur péché, tout ça. Non, faut se concentrer, concentrons-nous. Peu importe, faut avancer là, hein. Je valide à 1000% le rythme, franchement. Et les sœurs, vous avez trop assuré. Et les sœurs, elles dansent, hein. C'est rare dans le message parce qu'on a trop peur des jugements. Mais là, les sœurs, elles dansent. Et franchement, moi, j'aime. Ça donne envie d'écouter la chanson. Donc, abonnez-vous massivement sur la chaîne officielle des artistes pour les soutenir. Et rendez-vous pour un autre numéro. On fait comme d'habitude, on commente, on partage et on propose une nouvelle chanson à analyser. C'était votre sœur Anaka.